de l'océan Atlantique. 8000 km² à 2 heures d'avion du continent américain. Capitale, El Pao. Son palais du gouvernement bâti par les conquérants espagnols. Ressources principales, copra, banane et la pêche. Cette description de l'île ne se trouve pas dans les guides de voyage, car depuis longtemps, aucun touriste n'a été autorisé à débarquer à El Pao. À côté des masures où végète une population misérable, 2000 condamnés, dont 500 politiques, sont les hôtes du pénitencier de l'île d'Oreda. Si je voulais, je pourrais vous obliger à vous traîner à mes pieds. Vous qui l'avez appelé, vous avez sonné. Vous avez sonné, je l'ai vu. Habillez-vous. Croyez-vous qu'un tel affront puisse être supporté par une femme aussi sensuelle, aussi passionnée, aussi ambitieuse, aussi belle qu'Inès Vargas? Dans cette atmosphère de fièvre, dans cette jungle étouffante, dans cet enfer des hommes où la révolution se prépare, encore l'heure? La pause vient à peine de commencer. Allez, tas de feignants! Allez, au travail! Et plus vite que ça! Allez, au travail! Que deux hommes se livrent un combat sans merci. Combat où l'amour ne le cède qu'à la haine. Ramon Vasquez, jeune homme ambitieux, qui répugne à la violence. Cette semaine, il y avait plus de 20 malades sur le chantier. Ils sont déjà morts. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils sont prêts à tout. Égal, l'homme sans scrupules, cynique et autoritaire. La fièvre monte à El Pao.